Bien, je vais lire un texte qui s'intitule « Poème partition B2-B3 » qui date de 1962, qui a donc 25 ans d'âge ou un peu plus, parce que j'ai eu l'occasion de le lire pour la première fois, et c'était du reste aussi ma première lecture publique, aux trois séances du domaine poétique à l'American Center du boulevard Raspail, séance auxquelles participait Robert Filliou, dont j'ai fait la connaissance précisément à ce moment-là, ainsi qu'Emmett Williams, qui y participait également. Marianne, bien sûr, cette lecture est pour vous. Oui, oui, voilà, voilà. La mobilisation, voyez-vous, la mobilisation d'une créance née sur l'étranger consiste en une avance, sur facture ou sur traite, simple ou documentaire, à vue ou à usance. Elle bénéficie de la Banque de France à court ou moyen terme, un double rescompte privilégié, la négociation de l'effet quand est-ce que vous à 90 jours maximum, mais éventuellement renouvelable, étant sous certaines conditions éligible au marché monétaire hors plafond. Il va de soi cependant qu'à sortie de ces privilèges non négligeables, un tel crédit ne saurait échapper aux règles générales dont s'inspire l'Institut d'émission lorsque son accord de rescompte est sollicité. En outre, bien entendu, antérieurement à cette phase, peuvent être montés des crédits de préfinancement spécialisés ou à caractère revolving, destinés à financer les besoins courants ou exceptionnels que peut engendrer l'activité exportatrice régulière ou occasionnelle d'une entreprise. Mobilisables dans les mêmes conditions de forme, ces crédits ne sont toutefois éligibles au marché monétaire que sous plafond. Un accord de rescompte ayant dû être sollicité de la BDF au préalable. Celui-ci, du reste, sera fonction des besoins généraux de l'entreprise ou des découvertes mensuelles qu'entraîne l'exécution d'un marché particulier. Il va de soi, enfin, que dans le cas d'une sous-traitance tel marché, son titulaire contractant chef de file ne peut prétendre à l'octroi d'un seul crédit couvrant à la fois ses besoins propres et ceux de ses sous-traitants. Les financements en devise peuvent également se substituer à ces pics de crédit. L'avance sera, dans ce cas, faite dans la devise du contrat ou compte tenu des différences de taux assez sensibles suivant les monnaies, elle pourra être consentie dans une devise autre, étant entendu qu'il devra être procédé lors du règlement à un arbitrage et qu'il subsiste de ce fait un risque de change sur la devise considérée. Il est à noter que le coût de tel crédit peut être encore, parfois, sensiblement réduit si, parallèlement à son utilisation, est réalisée une vente à terme des devises correspondantes. La réalisation d'une telle vente à terme est en pratique assez délicate et complexe lorsque plusieurs créances de montants unitaires faibles en monnaie variée font l'objet d'une seule mobilisation. Évidemment, enfin, bien. De plus, merci.